Salut, c'est Chaman de LudoVox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de société Intrigue, un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour être partie d'environ 45 minutes. Alors dans Intrigue, nous sommes dans un jeu compétitif un peu méchant où chaque joueur incarne un notable qui essaye de récupérer un maximum d'argent. Il possède un château. Ce château possède quatre emplacements qui permettent d'accueillir des conseillers adverses. Nous avons des conseillers, c'est ces petits jetons, deux de chaque type, deux médecins, deux religieux, deux poètes et deux chimistes. Et nous commençons la partie avec 32 000 ducats. Le principe, c'est que nous allons essayer de placer chez les adversaires nos conseillers et gérer également les conseillers que vont nous envoyer nos adversaires pour les placer chez nous. C'est un système d'un peu donnant-donnant. On va se faire beaucoup de promesses, beaucoup de pots de vin, mais surtout, on va cacher notre argent et on va essayer d'en ramasser un maximum, de vous en croire aux autres qu'on n'est pas très bien placé. À notre tour de jeu, c'est très simple. La première phase, c'est le revenu. Si j'ai des conseillers qui sont placés chez des adversaires, eh bien je vais ramasser de l'argent pour cela, suivant les emplacements sur lesquels je suis placé. Ici par exemple, un chimiste et un poète, 1000 plus 6000 euh, ça fait 7000, plus 3000, 10 000, je récupère 10 000 en billets que je vais évidemment cacher immédiatement, puisque euh, je ne dois pas laisser cette information aux autres joueurs. Ensuite nous allons passer à la phase d'accueil et d'exil. Les règles de base pour placer des conseillers sont très simples. Si, euh, euh, si je reçois un conseiller que je ne possède pas encore dans mon château, je suis obligé de le placer. Donc là par exemple, je reçois un chimiste et je n'en ai pas, je peux le placer. Alors bien sûr, je peux le placer sur n'importe quel emplacement, 1000, 3000, 6000, 10 000. Et là, je vais avoir une certaine petite négociation avec le joueur orange pour savoir où c'est qu'on va le placer à base de promesses, de pots de vin, etc. L'autre règle, c'est tout simplement que je ne peux pas avoir deux conseillers d'un même type dans mon château. Donc si par exemple je reçois ici un deuxième chimiste du joueur noir, je vais devoir résoudre ce qu'on appelle un conflit interne, c'est-à-dire que j'ai déjà un chimiste basé chez moi. Donc là le joueur noir et orange vont pouvoir me faire des promesses, me donner des pots de vin. Dans ce cas là ils devront me donner l'argent immédiatement mais je ne suis pas obligé de tenir euh, ma promesse. Donc si le joueur noir me dit allez je te donne 1000 et tu me donnes l'emplacement, le, je, je prends immédiatement les 1000 dans tous les cas. Et ensuite, je peux très bien refuser de le prendre. Donc, soit j'accepte et dans ce cas-là, le joueur qui était en place va au milieu de sur l'île, c'est la place de l'exil. Donc, euh, il ne reviendra plus de la partie, il est parti, de, perdu définitivement. Euh, soit c'est le joueur qui se présentait et qui repart. Il peut très bien y avoir aussi. Cette situation là, ça veut dire que j'ai déjà un chimiste en place, mais j'ai aussi le blanc et le noir qui brigue la place de chimiste. Alors, c'est une place qui vaut que, que 1000, donc c'est pas très intéressant, mais ça pourrait arriver. Et là, je vais d'abord régler le conflit externe entre le joueur blanc et noir à base de pot de vin et de promesses. Je vais en virer un l'exiler au milieu du, de la table dans l'île, et ensuite je vais régler le conflit interne entre le noir et le orange, et puis je peux très bien, alors que je l'avais gardé lors du conflit externe, euh, exiler également le joueur noir. Donc, on va jouer comme ça pendant 5 tours, en remplaçant ses emplacements, en retirant, exilant les joueurs, en essayant de bien se placer. On peut se faire des promesses qu'on ne tient pas. Donc, par exemple, ok, je te, je te mets sur mon emplacement 6000, mais toi, en échange, euh, « Tu me mettras sur cet emplacement-là. » Le joueur dit « Ok. » Et en fait, on ne tient pas sa promesse. Si on fait des pots de vin, l'argent est versé immédiatement, mais ça n'engage à rien. Ça veut dire qu'on peut très bien, derrière, refuser de placer un joueur qui nous a versé un pot de vin, même supérieur aux autres joueurs, et ainsi de suite. Lorsqu'on a fait nos cinq tours de jeu, on a placé tous nos conseillers, ils sont soit exilés, soit dans des châteaux, on fait un dernier tour de récolte de revenus, et ensuite, on termine la partie, tout le monde sort l'argent qu'il avait caché sous la table dans ses poches ou sous son plateau de jeu, et on regarde qui c'est qui a le plus d'argent. Celui-ci gagne alors la partie. Voilà, vous savez tout sur Intrigue, donc un jeu assez méchant, avec de la négociation, de, des promesses qu'on tient pas, et des pots de vin. Voilà, maintenant, à vous de jouer!